le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non. Oh. Marion ? Ouais. Courrier. Je suis là. Mais il n'y a pas de nom sur cette tombe. Merci. La bonne journée. Ouais, c'est ça. Alors. Personne n'avait seulement dit. Facture de la merde. Son nom, près de celle de Stanley. Qu'est-ce que c'est ça? Comment s'évader d'un vidéoclub? Mais il m'a vraiment pris pour une basse à deux cordes. Hors de question, je retombe dans le panneau. Il me saoule. C'est pourquoi? À ton avis, crétin. Oh, excusez-moi, mais... Que la fête commence! Alors maître, je vous en sors un petit. Tu peux même m'en mettre un grand. Ils sont déjà là. Bonjour, hein? Qu'est-ce que vous complotez? Mes chères léprides papuleuses. On ne complote pas, maître. On joue. Qui vous a autorisé à jouer sans moi? Juste une petite partie. Silence! Je commence une partie. Alors, mes vieilles catins, qu'est-ce que vous me ramenez cette semaine? J'ai causé la mort de 12 personnes en provoquant une avalanche dans les Alpes. Une avalanche? C'est nul, ça, une avalanche. Mais ce n'est pas tout, maître. J'ai récolté quelques rumeurs croustillantes. Je t'écoute. Comme vous le savez, demain, les noms des candidats à l'élection du nouveau maître des ténèbres seront révélés. Et il se dit que, pour la première fois, vous ne seriez pas le seul à vous présenter. En même temps, maître, vous semblez délaisser les enfers en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vrai que le clown n'a pas tort. Ça parle beaucoup au club de sadisme. Enfin, pas moi, mais autour de moi. Et il se dit que vous passez beaucoup de temps au vidéoclub. Et ce Marion, vous le sortez d'où? Ce type transpire l'ennui. Maître, ces insolents n'ont rien compris au génie de votre plat! Je croyais pourtant avoir été clair! Je vous ai déjà expliqué que ce vidéoclub est au cœur d'un plan machiavélique, d'une ampleur jamais atteinte à ce jour! Mais justement, c'est ça qu'on n'a pas compris. Ah, parce que vous étiez sérieux? Ah, mais moi j'ai cru à une vanne!
Vous me prenez pour un démon de première zone? Depuis 2000 ans, j'ai fait quotidiennement mes preuves. La grande peste noire, c'était quand même la classe! La première et la deuxième guerre mondiale! Le sida, le cancer, les catastrophes naturelles! Vous voyez, ce vidéoclub, il vous stresse. Quel flush royal! Ah, vous voulez du grand spectacle? Les sangsues! Eh bien, voilà! L'épisode 4, c'est le Muppet Show, mec. Putain, tu me cherches, là? Non mais attends, regarde les aliens, ils ont tous l'air plus ridicules les uns que les autres. Le pire, c'est la scène de la cantina. C'est le festival du plastique. Ouais, je crois surtout que tu te rends pas compte du boulot d'effets spéciaux que ça représentait à l'époque. Les effets spéciaux ont rien à voir. C'est le jeu d'acteur de Carrie Fisher et de Mark Hamill qui est pourri. Je veux dire, si t'aimes leur jeu, mais t'aimes de la merde. Tu veux voir des vrais acteurs? Evan McGregor, Natalie Portman. Tu vois, eux, ils assurent. Tu te fous de moi? T'as oublié Harrison Ford? Ok, Harrison Ford, vas-y, cite-moi un autre. Ouais. Ouais. Je crois surtout que tu te rends pas compte du contexte de l'époque. En 77, on n'avait jamais vu un truc pareil, mon pote. Hein? Star Wars, ça a marqué sa génération et les suivantes. Moi, je le trouvais super mignon, hein, Harrison Ford. Et Chewbacca aussi, il était mignon. On avait trop envie de lui faire des câlins. Du jamais vu? Du jamais vu? Mais attends, mais c'est toi qui te fous de ma gueule, là? Je veux dire, Lucas, il a innové en rien là-dessus. Sauf dans la stratégie marketing, ok. Il a tout pompé sur Flash Gordon. Tu veux savoir c'est quoi le pire? Je vais te dire ce que c'est le pire, c'est les Ewoks. Les Ewoks, tu vois. Ça là, ces petites bêtes là, on dirait des Yorkshire, on leur a collé des dents de lapin, on dirait des lépreux décadents de l'Ancien Testament. Et tu viens me parler des Ewoks, des Star Wars, la guerre des étoiles. Tu peux penser ce que tu veux, mais il y a des choses sacrées. Hein? Je suis pas prêt de remettre les pieds dans ce putain de vidéoclub de merde. Ouais. Bah salut, ouais. Je vais pas te regretter, hein. Ouais, et puis habituellement, je pète des genoux pour moins que ça. T'as de la chance? T'es une dame ici. Eh mais moi, je l'ai trouvé très attendrissant, les Ewoks. Mais enfin, c'est vrai que j'aime bien tous les animaux. Alors, il était intéressant, votre film? Qu'est-ce qu'elle fait encore là, cette cassette? Je pensais l'avoir jetée. Ah bah faut pas les jeter, hein. Ça peut toujours servir. Ben, moi, les films que j'ai déjà vus, eh ben, je réenregistre par-dessus la cassette. Un petit bout de scotch sur le petit trou et c'est parti. D'accord. Bon, eh ben, il est déjà midi. C'est pas que je vais te mettre dehors, mais c'est l'heure de ma pause. Bon, ben, je reviens à 2 heures, alors. Ok. Hé hey Marion, t'étais sérieux pour Star Wars là? Quoi? Mais non! Je peux pas m'empêcher de taquiner un fanboy quand j'en crois. Ta gueule Marion! J'ai pas que ça à foutre là, j'ai du jambon qui m'attend. Qu'est-ce que tu vas te mater là? Je sais pas, c'est un truc de coaching à l'américaine. Y'a du cul? Non, je crois pas. Par contre, il y a un truc assez bizarre avec cette cassette. J'étais persuadé de l'avoir jetée plusieurs fois. Attends, je suis désolé, excuse-moi, je te coupe. En toute amitié, entre nous, faut que je te le dise, hein, c'est... Sincèrement, je m'en cogne. Ok? Ah. S'il y a du cul, tu m'appelles, hein? Ok. Salut l'ami. Merci à toi d'avoir acheté, trouvé ou volé cette vidéocassette. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Bienvenue dans le programme chez Hall. Un monde nouveau s'offre à vous, où tous vos soucis s'éclipsent en un claquement de doigts. C'est comme si vous poussiez la porte du quotidien et que là, une brise printanière venait caresser vos narines,
déjà moisi. Allez, c'est parti, tu es prêt pour l'échauffement. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et lève les bras, lève les bras, lève. Ah oui. Je crois que je vais avoir du mal à te faire lever de ton canapé, jeune homme. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas un connard en collant qui va me faire bouger mon cul. Stop. Non. Désolé, Marion. Je croyais que tu avais mis cette cassette pour te sortir de ce vidéoclub. Non mais attendez, c'est à moi que vous parlez ? Mais à qui est-ce que tu crois que je m'adresse ? Vous pouvez si tu veux rompre le pacte qui te lie à tout jamais à ce vidéoclub, tu vas devoir faire ce que je te dis. Ok ? Ok, mais le pacte, vous êtes au courant du pacte de l'accident ? Non, mais c'est pas grave, excuse-moi Marion. Non, je ne savais pas que tu avais envie de passer le reste de ton existence à rembobiner des cassettes avec un stylo bille. Non, pas du tout. Non, mais dites-moi ce que je dois faire. Tu dois faire ce que je te dis. Ok. Voilà. On commence. Tu es prêt? Ouais. Très bien. Allez. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maître, vous avez bien fait de les punir ainsi. Ce clown, une fois gonflé à l'hélium, était beaucoup plus drôle. Je suis sûr qu'il complotait contre vous. Comment ont-ils pu oser vous parler sur ce ton? Ils vous ont manqué de respect. Il était déplacé de vous faire remarquer votre manque de popularité. Ces sales morves colportent la rumeur jusqu'à vos suprêmes oreilles qui n'ont certainement pas envie d'entendre que vous êtes à 10% d'intention de vote dans les sondages. Vous n'avez que faire des insultes qui sont dans la bouche de chacun de ces damnés. Vous êtes au-dessus de ces souillures, et comme ma mère le disait... Silence ! Tu m'empêches de réfléchir. Ah ! On se plaint de ne pas assez me voir. Eh bien, ça va changer. Dégagez ! Que ça te brûle quand tu cries de douleur, ce que t'es belle quand t'as peur tout au fond du placard, ce que t'es belle dans le noir, ce que t'es belle quand tu cours dans le bois des amours, mon fusil est chargé, ce que t'es belle en gibier dans la brume du matin, ce que t'es belle mon lapin, ce que t'es belle sans ta peau, sans tes yeux, sans tes yeux. Est-ce que t'es belle sans tes reins, sans tes hanches, sans tes seins? Est-ce que t'es belle tout en vrac, en tout échantillon, t'es belle jusqu'au trognon, j'en suis contemplatif comme t'es belle en massif. T'es belle en tuya, en rose, en bégonia, à vrai dire je connais pas de meilleur engrais, t'es plus beau des couronnes, si belle en géranium.
Vous me faites sortir là? Non, non, non. Tu n'y es pas du tout, mon petit bonhomme. Ça, ce n'était que l'échauffement. Quoi? Bah oui, ça comptait pour des prunes. Mais... Rassure-toi. J'ai apprécié de te voir galérer. Vraiment. Non, continue, Mario. Continue. Vas-y. Mais quoi?